Après la fête du printemps, Fan Zhenshan n'est plus occupé. Il se souvient d'une chose qu'il a conservée précieusement pendant plusieurs années. C'est une petite malle en cuir, héritage de son père. Son père était un tanneur ayant une bonne réputation. Cette petite malle en cuir a été faite de son vivant. Comme elle a été réalisée il y a longtemps, certaines pièces paraissent extrêmement usagées. La surface est déjà bien tachetée. Au moment de la réunion familiale de la fête du printemps, on a mentionné son père. C'est pour cela que Fan Zhenshan a pensé à cette malle. En tant que disciple de son père, il est devenu lui aussi tanneur. Il a décidé de réparer cette malle usée afin de commémorer son père de cette façon. L'art que Fan Zhenshan connaît bien se nomme l'art du relief en cuir. Si l'on utilisait un burin pour sculpter des images, ce ne serait qu'une sculpture en cuir. Avec un art particulier, on bombe le cuir comme un relief. Voilà le relief en cuir. Quand on sculpte sur le cuir mince, il faut faire des traits distincts sans trouer le cuir ni réduire la résistance et l'élasticité originale. En plus, comme le cuir est bombé, il peut maintenir cette forme sans jamais rétrécir. Voilà les points merveilleux du relief en cuir.自然的纹理，特漂亮，整个用这一块皮子，这个皮恰巧呢，这边和这边呢，都是原来那个皮革厂制作的时候那个原始的边缘，不是人工加工的，所以从外观上，从它这个物理的性能上，我选用的牛皮作画，特别是浮雕，做香，传统一直都是用它。 Le relief en cuir est toujours fait avec du cuir bovin. Car le cuir de mouton est trop tendre
et la peau de porc trop dure et sans résistance. Tandis que le cuir bovin, avec une veine fine, combine le dur et le doux merveilleusement et est meilleur pour être taillé et mis en forme. Trempé dans l'eau, le cuir fait d'une technologie particulière s'assouplit. C'est le meilleur matériel pour le relief en cuir. Les malles anciennes sont faites de cuir de dos de bovin, plus plat et résistant. Actuellement, il est difficile de trouver du bon cuir et on risque même de tomber sur un cuir falsifié. Le couvercle de la malle est trop usé. Fan Jianchang compte en refaire un autre pour le remplacer. Donc, il lui faut prendre un cuir semblable aux autres parties de la malle. Si seul le coloris et la matière sont proches, la malle réparée n'aura pas l'air d'être faite en un morceau. Fan Jianchang sort un cuir qu'il a conservé et il compte en faire le couvercle de la malle. Il faut ramollir le cuir avant d'y faire le dessin. On applique de l'eau de façon homogène sur le cuir qui devient tendre en absorbant l'eau et qui redevient dur après s'être déshydraté. L'image sur l'ancien couvercle de la malle est trop compliquée. Fan Jianchang projette de la transformer en tableau de présentation du bonheur par deux carpes qui s'accordent mieux avec l'esthétique actuelle. La plume fait des traits sur le papier d'acide sulfurique. La pression de la plume engendre des traces peu profondes sur le cuir, au-dessous du papier. Un dessin sur le papier d'acide sulfurique peut être utilisé plusieurs fois, jusqu'à ce que le papier soit troué. L'avantage du papier d'acide sulfurique est d'éviter de laisser l'encre tracer directement sur le cuir et garde la propreté du cuir. Après avoir fini l'image, le cuir devient dur à cause de la déshydratation. Il faut le ramollir de nouveau avant la sculpture. Quand le cuir redevient dur à un certain niveau, on peut sculpter. Le niveau de dureté est décidé d'après la sensation tactile des doigts du sculpteur. C'est une expérience indicible. Fan Jianchang sculpte généralement à une dureté de 80%. Quel est le niveau d'une dureté de 80%? Même les artisans expérimentés comme Fan Jianchang n'arrivent pas à bien maîtriser tout le temps ce niveau. Si le cuir ne durcit pas à point, il faut le ramollir de nouveau.
Quand le cuir est enfin à 80%, Fan Zhenshan pense que c'est le bon moment pour sculpter le cuir. Au cours de la sculpture, on ne peut pas éviter de toucher le cuir des doigts, dont la température accélère la volatilité de l'eau dans le cuir. Il faut à Fan Zhenshan finir une image complète avant que le cuir soit dur. Selon l'ordre de sculpture, il faut sculpter au burin le long des traits. Il faut faire à chaque coup de burin un trait juste. Car si l'on sculpte de travers, on ne peut plus réparer. Il faut être précis. Certains traits doux peuvent être faits d'un seul coup, en tournant doucement le burin. Tandis que d'autres, abrupts, tels que l'écaille de poisson, ne peuvent être faits qu'en tournant le cuir. Et pour faire certains traits, il faut utiliser l'outil d'impression, tel que les yeux de poisson. Le burin de Fan Zhenshan est fait d'une sorte d'alliage dur. L'angle du tranchant est obtus, mais il est bien tranchant. Avec ce burin, on peut faire facilement une boutonnière à la surface du cuir. Elle n'est pas trop profonde, car sinon, la chair du cuir se manifesterait et la matière et la résistance du cuir de la première couche seraient détruites. La profondeur de la coupure ne dépasse pas 1 mm. Pour que le relief montre un effet stéréoscopique préliminaire, il faut faire le foulage des traits déjà faits. Le foulage des traits entraîne un côté des traits qui s'écroule et l'autre qui devient plus haut. Après avoir foulé une série de traits, l'image que forment les traits, telle que la queue du poisson, montre un effet un peu stéréoscopique. Il y a une autre méthode pour provoquer un effet stéréoscopique, la création d'ombre. À la vue du nom, on sait qu'il s'agit de créer des zones d'ombre qui constituent l'ombre de l'image. Il y a sur le poinçon plat, utilisé pour créer des ombres, beaucoup de bombements. Quand on frappe le cuir avec le poinçon plat, il y a beaucoup de points qui réduisent la réflectivité du cuir et provoquent ainsi l'effet d'ombre. Après une journée, la sculpture et le foulage des traits sont faits. Ensuite, ce sera l'ébarbage. Au cours de la sculpture et du foulage, il y a des bavures. Il faut les presser et abraser. L'ébarbage est généralement fait en cornes d'antilope ou de rhinocéros. Elles sont lisses mais pas trop dures. Au cours de l'ébarbage, on ne blesse pas le cuir. Après l'ébarbage, les traits deviennent plus gros et l'image devient ainsi plus claire.
Après la sculpture, foulage et l'ébarbage, Fang Zhenshan compare minutieusement le couvercle semi-fini à la malle ancienne. Il existe une grande différence entre le cuir nouveau et le cuir de la malle ancienne. Il semble bien difficile de les rendre similaires. Fang Zhenshan aurait voulu réparer la malle de son père afin de le commémorer. Mais avec la différence du cuir qui ne peut pas être éliminée, la réparation de la malle ne marchera pas. Fang Zhenshan décide de laisser tomber la réparation de la malle de son père. Il projette de faire une nouvelle malle, avec l'art du relief en cuir hérité de son père. Regardez en avant, voilà sans doute souvenir du passé. Le cuir n'est pas suffisant. Il faut aller en acheter. Après avoir traversé Shenyang, Fang Zhenshan arrive à en trouver un morceau de cuir de dos de bovin au supermarché du cuir. Avec les technologies de sculpture, foulage et ébarbage, Fang Zhenshan est déjà arrivé à attribuer aux images sur le couvercle de la malle en cuir l'effet stéréoscopique. Ces trois étapes sont toutes une sculpture ou une pression vers le bas, de sorte qu'on les appelle sculptures enfoncées. On entre dans la partie du relief. L'effet du relief en cuir, c'est d'attribuer à la face du cuir, c'est-à-dire le côté extérieur, un effet stéréoscopique comme un relief, par des morceaux ou traits bombés. Pour rendre le cuir bombé, il faut appliquer d'abord au revers du cuir de la colle d'une composition particulière. Le cuir trempé dans cette colle devient tout de suite tendre et on obtient une grande ductilité. Avec la corne du bovin, on presse du revers avec force. Pour les grandes surfaces, on presse avec une corne émoussée, tandis que pour le travail précis, on utilise une corne pointue. La mise en forme par la corne n'est pas faite d'un coup. Appliquer de la colle, presser, appliquer de nouveau et presser encore, il faut répéter pour donner au cuir bombé une certaine hauteur. Quand la colle pénétrée dans le cuir sèche, elle devient dure et a un effet de support, de sorte que la partie bombée ne se contractera plus. Le cuir est à l'origine blanchissant. La couleur fonce graduellement après être utilisée comme un enregistrement de la fuite du temps qui constitue une beauté particulière. Pour accélérer l'apparition de cette sorte de beauté, on peut faire exprès de colorer le produit pour le rendre vieux. Ce 牛皮啊脱离了牛身体之后呢没有一个机体
给它补充营养了，但它仍然是活的。那怎么办呢？它有棕孔，这只是头层皮，有棕孔的，它还要吸收养料，否则的话呢，它就变脆或者变硬，它就不耐久了。那怎么办？我们就要给油。Selon la situation, on peut faire à plusieurs reprises la colorisation. Quand la malle en cuir est faite, on peut la colorer une nouvelle fois. La malle en cuir est de forme rectangulaire. Le cadre intérieur est en carton. Le carton est fait par la technique traditionnelle de plusieurs cartons minces collés ensemble. Il y a des cartons épais sur le marché, mais Fang Zhenshang préfère coller lui-même les cartons minces ensemble. Selon lui, on ne peut pas vérifier l'intérieur des cartons épais vendus au marché. On ne peut croire que les cartons épais faits soi-même. Et il n'y a que la malle en cuir faite de ces cartons qui est rassurante. Le cuir enveloppe le carton et à la fin, il est cousu avec le carton. La raison pour laquelle on met le carton dedans, c'est pour donner une forme à la malle et la rendre ferme, facile à être cousue. Pour rendre le carton capable d'être plié sans casser, il faut ramollir en même temps le bord du cuir et du carton avant de les coudre. N'importe quel artisan du relief en cuir doit être un tanneur digne. Il faut connaître à fond les arts de tanneur pour bien saturer les différentes parties du relief en cuir fait et terminer son œuvre. Fang Zhenshang a une technique pour enfiler une aiguille. Il divise le fil en deux, à 6 cm et à 8 cm du bout, pour que l'aiguille traverse ces deux endroits. Puis, il enfile l'aiguille par le bout du fil et tire dans la direction inverse, ceci afin d'éviter que le fil se détache de l'aiguille pendant la couture, grâce à ce nœud formé. Avant de coudre, on a déjà fait sur le cuir des trous de même taille afin de faciliter le passage de l'aiguille. Au cours de la couture, l'aiguille passe à travers les trous. Les deux fils dans et hors de la malle s'entrelacent. Quand l'aiguille est au-dessous, il faut que l'artisan juge la position de la pointe en touchant avec ses doigts. Si l'on la juge en regardant, il faut tourner sans cesse le cuir. C'est un gaspillage d'efforts et de temps. Dans certaines parties, on n'arrive pas à voir, de sorte que pour maîtriser cet art, l'artisan a été piqué plusieurs fois. Presque toutes les pièces détachées de la malle en cuir sont faites en cuir, y compris la poignée. Il faut une dizaine d'opérations pour faire la poignée.
至少在1.3以上，1.5。可我这个呢，为了表现那个皮革雕塑的深度怎么样呢？我采用3到4毫米的，再加上3-4毫米的这个纸板，那相当厚，用起来扎起来非常费事的。怎么讲？这么原来只是中间。OK， 再瞅着再来一下。Ce soir, Feng Zhenshan fait exprès d'appeler sa pour lui montrer les points essentiels de l'opération quand il coule à mal en cuir. 就这针这么远一点，到这儿，你要到这儿离了之后再拽这个底下。然后现在拽这个。哎 ，OK， 你拽，离了。Parmi toutes les techniques du relief en cuir, c'est celle de la couture que sa petite fille maîtrise le moins. 这个手扎完之后，这手是找方向的。夹着点。看手里面拿着吗？这针拽出来了。嗯。这针呢？哎，下去多少呢？那针尖和针尖能对上吗？你想的可美，当然就这样的。嗯，这样过来，你来吧。嗯。Toute opération prépare l'opération suivante. Ces centaines d'opérations, grandes ou petites, du relief en cuir ont un ordre strict. C'est l'expérience qu'on accumule au cours des tâtonnements des prédécesseurs qui aident.Si l'on renversait l'ordre, il y aurait des problèmes. 嗯，应该他是特别喜爱这个东西，而且就是他做这个东西，他内心是很愉快的。因为我能感觉到，就是他在做这个东西，他会有时候会哼哼小曲儿什么的，然后还听放着音乐，然后用那个小音箱放音乐，还挺大声的，然后就边做这些东西，就是。挺有味道的，就那种，就是他也是投入进去。Le cuir a aussi une vie. Quand on fait avec le cuir un produit en cuir, c'est lui accorder une seconde vie.Pendant ces journées, Feng Zhenshan semble être rentré en enfance, au temps où son père lui apprenait à faire une malle en cuir. À travers cette malle, Feng Zhenshan a pu retrouver et dialoguer avec son père, qui est décédé depuis longtemps. À ce moment-là, Feng Zhenshan pense qu'il est non seulement l'héritier du relief en cuir, mais aussi le fils de la famille Feng. Il décide d'offrir cette malle.À son frère aîné. Quand Feng Zhenshan met cette malle de relief en cuir complet dans la main de son frère aîné,Son frère se sent ému. Elle lui rappelle certaines personnes. Cette famille d'art manuel exprime de sa propre façon le souvenir du temps passé.